y a un souci, tu vois. J'ai pas 1000 balles. Wow. Ok, j'ai l'idée. Je fais tout ce que tu veux pendant 24 heures. Tout ce que tu veux. Tout, t'es sûr? Tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Va au footlocker. J'allais faire quoi au footlocker? 3, 2, 1, go. Bon, je viens d'arriver dans le magasin où mon petit frère veut que j'achète ces trucs là. On y va. Ouais, je peux avoir un wrap au poulet croustillant au bacon avec la sauce chipotle. A few moments later. On peut pas faire un rabais en tout là. Moi, je vais pas rabais ici. Ah, ok. Okay, je vais payer avec un avec ma carte. Bon, voilà tout le monde. Je suis de retour chez moi là, enfin. Et attends. J'achète tout ce que tu voulais là. Regarde. Je suis allé au Tim Hortons, j'achète tout ce que tu voulais. Regarde, vérifie, tout est là. Tout est bon là. Ouais, c'est bon. Tout est bon? C'est bon? Donc là, je ne dois plus rien. Hein? Non, c'est 24 heures. Comment ça, 24 heures? Je t'ai acheté tout ce que tu voulais là. Mais non, c'est 24 heures. Tu dois dire oui à tout ce que je veux pendant 24 heures. C'est toi, tu l'as dit. C'est pas fini là? Non. Oh my god, là, c'est énervant là. Non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Va au footlocker. J'allais faire quoi au footlocker? Juste t'inquiète, va au footlocker et je vais t'envoyer la photo de ce que je veux. Tu veux quoi au footlocker? Si je te montre maintenant ce que je veux, tu vas pas acheter. Mais j'ai pas envie d'aller au footlocker, tu veux que j'achète quoi au footlocker? Au footlocker, c'est 24 heures. Go. Ok. Ok, je vais y aller là. Mais attends, laisse-moi goûter un peu. Non, c'est ma chose. Attends, toi. C'est ta chose. Non, je vais au footlocker là, non? Oui, va au footlocker. C'est bon. Ok, go. Yo tout le monde, la route a été hyper longue, mais je suis quand même arrivé dans un centre commercial. Et ici, il y a un footlocker, puisque mon petit frère veut que j'aille dans un footlocker. Bon, là, je lui envoie un message là pour savoir ce qu'il veut ici, là, parce que je suis pas venu ici pour rien quand même, là. J'espère qu'il va me dire qu'il veut des chaussettes, parce que c'est ça que je vais l'acheter, frère. Des chaussettes, Nike, bien. What? Il veut quoi? Regardez ce qu'il veut, je vais le mettre ici. Je peux rien garantir, mais regarde jusqu'à la fin pour voir ce qui va se passer. What? Il veut que j'achète quoi? J'imagine même pas le prix, frère. On joue à ça ou pas? Je mets 5$ dans la machine, 5 ou 10$, et puis on peut gagner des souliers. Mais si je rate, frère, je casse la machine, parce que là, perdre 5 balles pour ne pas gagner des souliers, frère. Celles-là, elles sont quand même belles. Regardez ça, frère. Il a aimé ça ou pas? God damn, 300 balles pour ça? Ah ouais. Ok, on va déposer ça gentiment, ok? Mais il y a des belles paires ici, hein. La vie, j'ai jamais vu ces couleurs-là. Ce que j'ai jamais compris, c'est pourquoi les souliers qui sont emballés en plastique, là, ils sont toujours chers, frère. Frère, ici, des Air Force coûtent 400 balles, alors que normalement, c'est 120 balles, frère. Je comprends pas. C'est parce qu'il y a un plastique autour, là. Frère, le plastique, là, je peux le faire chez moi, frère. C'est bon, là. Parce qu'il y a un plastique, là, le prix, il triple, frère. Imagine, t'as tout ça chez toi. Imagine, tout ça, là, c'est ton garde-robe à toi. Tu te réveilles le matin, tu vois tout ça ici, là. Regarde comment c'est beau. Mais c'est trop. On va aller voir ce prix-là, ok? On va voir celui-là. Ok, je pense qu'on va se casser maintenant là, parce que, ouais, on va se casser. Okay. Eux, ils sont rares, hein, c'est ça? Ouais, mais toutes eux dans la vitrine, pour de vrai, là, sont autant. Ils sont rares, hein. Ceux-là, je sais qu'ils sont rares, ceux que je connais pas. Ouais. Non, eux, je les connais. Ceux-là, je te dirais, sont même plus rares qu'eux. C'est avec Travis Scott, c'est ça? Non, ça, c'est Off-White. Off-White, ok, ouais. Je pense qu'en quelques mois, je vais acheter un. Quelques mois. Ouais, quelques mois. Ouais. Quelques mois. Et je vais essayer, dans quelques mois, revenir essayer acheter des paires, là. Mais le prix, c'est un salaire, frère. C'est un loyer, frère. Pour le moment, on va se calmer. Mais bon. Je viens d'arriver au Footlocker, man. Footlocker. Après ça, on a fini avec le Yes Man Challenge. Voilà, je vois plus rien, mon petit frère. Est-ce que vous avez des carry? Carry, yeah. C'est lesquels? Celui-là, celui-là, celui-là. Ouf, ok. Et c'est quoi le prix à peu près? 180. God damn. 145. 180? Bon, je viens de trouver une paire là qui m'a envoyé mon petit frère. Et ça va être chaud, hein. Bro, ça va être chaud. 145 balles pour ça, plus taxe. 180, 200 balles, frère. Ouh, j'ai trouvé ça. Je sais trouver le moins cher, si je veux dire qu'il n'y en avait pas. J'ai trouvé le moins cher là. Ça, c'est moins cher. God damn. Ça, c'est encore pire, frère. L'acheter ou pas l'acheter? Mais l'acheter et être à la rue. Et l'acheter et être à la rue ou l'acheter. Et finir avec mon Yes Man Challenge là, avec mon petit frère là, parce que là je suis entre les deux là. Ouais, petite anecdote, c'est moi ici là. J'ai fait un commercial pour Nike et. Ouais, pour Nike, c'est moi ça. Si je le prends ça, je pense qu'il va pas me parler pendant un an. Il va pas me parler pendant un an parce que c'est à l'opposé de ce qu'il veut là. C'est à l'opposé complètement. Mais ça peut être pas mal. Hein. Et la vérité, je comprends pas
c'est quoi la hype autour des Crocs là? Je vois tous les jours minimum genre 3-4 personnes avec des Crocs à l'école. Je comprends pas c'est quoi la hype. Pourquoi il y a une hype autour des Crocs là? Si quelqu'un sait, dis-moi dans les commentaires. Il y a des Crocs, tout le monde porte des Crocs avec des couleurs différentes. Et tout ça, frère, c'est quoi la hype autour des Crocs? Regardez tout ça, frère. Je suis sûr qu'ils ont sorti des nouveaux modèles à cause de la hype. Blanc, cargo, jaune et tout ça là. Juste à cause de la hype. Mais je sais pas pourquoi il y a une hype autour des Crocs. Je sais pas. Là, ça, il est pas mal, hein? Il est pas mal. Il est pas mal. Ah, on va laisser. On va laisser, mon gars. Rack stop. Dance up, press up. On de retour au soulier que mon petit frère veut de base. Ici on a les carry ring, ok? Les carry. Ici on a le brown. Oh, il peut faire. Ah putain, mais lui c'est pire. Lui c'est pire, on va laisser ça là, ok? God damn! Pourquoi les souliers sont si chers que ça? Je dis que c'est ouf. Mais moi aussi, je mettais des fois la pression sur ma mère pour qu'elle m'achète des souliers là avant. Là. Avant, pas maintenant, plus maintenant, on fait plus ça. Bon, mon choix a été fait là, on va lui prendre ça. Et hey, plus jamais de Yes Man Challenge, frère. Et hey, là, je suis à la rue. Ne pas tourner là. Fuck. Qu'est-ce que j'ai fait, frère? Et j'ai une idée. On se retrouve à la maison là, les gars. Mais j'ai une idée. Allez, go. Ma carte, vous savez qu'elle a. Et la fille, c'était gênant. Ma carte, elle a décliné deux fois. Ma carte. Mais bon, c'est pas grave. Là, je les ai pris là. Et hey, petit frère, et hey, bijou, si tu regardes ces deux-là après, j'espère que tu vas bien les garder. Parce que, en tout cas, j'ai une idée. On va se retrouver à la maison, les gars. J'ai une grosse idée là. On va se retrouver à la maison, je vais faire un truc de ouf. Allez, bon, peace. Yo, je suis de retour chez moi. Et dès que je suis rentré à la maison, je suis venu ici pour cacher ce que j'ai acheté à mon petit frère. Et là, je l'ai appelé pour lui dire de descendre dans exactement une minute. Donc là, il va bientôt arriver. Et rappelle-toi, j'avais dit que j'ai un plan, non? Regarde jusqu'à la fin si tu vois c'est quoi mon plan, ok? Allez, go! Bon, enfin de retour après une longue journée à faire tout ce qu'il dit, frère. Enfin, j'ai fini, frère. Mais est-ce que t'as acheté ma chose? Acheté? Oh, j'ai eu un petit souci, tu vois? Est-ce que tu m'as dit d'acheter là? S'il y avait... On a eu un petit souci. Mais je t'ai quand même acheté quelque chose, ok? Tu veux voir la chose? Oui, je veux voir. Frère, et si je te montre la chose après, le Yes Man Challenge est fini, hein? Okay. Je ne peux plus rien pendant 24 heures. Okay. Les 24 heures sont finies. Ok. Ok, maintenant ferme tes yeux alors. Non, ferme vraiment tes yeux. Si tu ne fermes pas tes yeux, je vais aller rembourser le truc. Ok? Ferme tes yeux. Garde les bien fermés, ok? Surveille-le, ok? Ouvre pas tes yeux! Ok. Ouvre pas tes yeux! Yo! Garde-les comme ça, hein? Je n'y même pas avec toi. Quand je dis go, tu peux les ouvrir, ok? Quand je dis go. C'est des belles chaussettes, hein? C'est des chaussettes. Calvin Klein. Ok, vas-y, attends. Quand je dis go, ok? 3, 2, 1, go. Yo! Merci! Yeah! C'est ça, quoi? Tu m'as vraiment acheté mes choses. Yeah. Yo, vraiment merci. T'inquiète, frère, t'inquiète, man. Ouais, hein. Vraiment merci. Non, honnêtement, tu mérites, man. Honnêtement, tu mérites, bro. Merci. Ah, t'inquiète, non, c'est bon, t'inquiète, tu mérites. Tu mérites, ok? C'est vraiment génial. C'est exactement ça que tu voulais? C'est pas le même coloris, mais c'est ça. Le même quoi? Il n'y avait pas d'autres couleurs que ça, non? Je sais pas, j'ai pris ça. C'est ça que je veux. Ouais, t'inquiète, tu mérites, vraiment, tu mérites, gros, t'es toujours là. Merci. Toujours là, tu vois, grind, tu vois, t'es toujours là, continue, ok? Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Damn! Maintenant, est-ce que tu peux juste signer ici? Juste signe ici, s'il te plaît. Attends, c'est un contrat, oui, c'est un contrat, mais. Plus de contrat de toute ma vie avec toi. Pourquoi? Tu dois d'abord lire le contrat. Tu te connais des souliers, c'est. Tu dois d'abord lire le contrat. Non, t'as pas besoin de lire. Non, d'abord je lis le contrat. Laisse-moi le lire pour toi, ok? Ok. Ok, la première règle est que c'est déjà ton cadeau de Noël. Hein, comment ça? C'est pour le Yes Man Challenge. Comment ça, c'est pour Noël? Frère, hey, c'est Noël ça. Mais non, c'est pas pour Noël. Les gens achètent ça pour Noël. T'es tout obligé, c'était pour le Yes Man Challenge. C'est déjà Noël aussi, tu vois? Non, c'est pas Noël. C'est ton pré-cadeau de c'est Noël. C'est quoi le net? C'est pas Noël. Ok, maintenant la règle numéro 2. Quand tu vas commencer à travailler dans quelques années. Ouais. Tu devras me donner ton salaire pendant minimum 3 ans. Tout ton salaire.
Jamais. Yo, frère, je dois... Attends. Jamais. Tu veux me ruiner? Je dois rentabiliser ça, frère. Mais c'était pour le Yes Man Challenge. Non, mais je dois rentabiliser, frère. Mais non, c'était pour le Yes Man. Je dois être rentable quand même. Non, donc là, en tout cas, moi, je signe pas ce contrat. Pendant 3 ans, tu me donnes ton salaire, tout ton salaire. Mmh, et c'est ça ton cadeau de Noël. Non. Okay? Maintenant, signe ici, s'il te plaît. Ok, je veux bien signer. Jamais. Et... Point. Bon, moi, je pars. Merci vraiment pour les souliers. Je t'aime fort, Junior. T'inquiète, bien. Yeah. Bye. Donc, voilà pour la vidéo. Abonne-toi, like. Bon, frère, je vais demander un remboursement. Je vais demander un remboursement. Imaginez, je demande un remboursement. Non, je vais pas faire ça. Ben non, je vais pas faire ça. Ça, je vais dormir là. Longue journée. Peace, c'est dit. That was amazing, man. Keep grinding. Peace.